me semble vraiment qu'on n'était pas au-dessus de 100% quand j'ai regardé la dernière fois. Je sais pas à quoi ce serait dû. Et on va faire ça une ou deux fois. On y va en fait. On fait ça, on utilise nos points là-dedans. La tech militaire, par contre, on pourrait éventuellement la prendre. La finance, on verra, ça va venir. Pour le moment, donc tout ça, ça roule. On envoie un truc et on va voir un petit peu ce que ça donne. Juste pendant que j'y pense, faire une revendication chez Cebu, on peut pas. Il nous faut 25. Ok, tant pis. Tu sers à rien. Ici, on a perdu d'ailleurs un gars. Une revendication sur le Brunei, c'est ça, Kutai. Relativement peu nécessaire, mais faisons-le parce que ça coûte rien. Ok. Mettons un gars chez les pays outragés, je propose, ça peut servir quand même. Voilà, opposition généralisée. Ah. Bon. Cebu n'est plus un rival valable. Oui, bah, je suis pas choqué. Et c'est Tondo qui a récupéré ça, et eux qui n'ont pas récupéré leur truc. Alors ça, tu m'expliques quand même, parce qu'il me semble que eux, ils étaient là depuis un moment. Ils avaient encore des troupes en plus. Donc Cebu a repris les troupes des partisans, machin chose. Bon, ils ont gardé leur alliance avec Brunei et Sulu. Ok. Juste contrôler que ce soit pas où je vais atterrir. Ce n'est pas le cas. On va accroître le... Oh non. On va pas accroître ça, pas tout de suite en tout cas. Puis, ah, il faut qu'on prenne ça, c'est juste. Alors, plutocratie. Autorise l'ensemble des doctrines plutocratiques. Ok. Marchand plus 1, aucun intérêt. Autocratie. Exigence injustifiée, moins 10%. Aurait été probablement assez intéressant, là. Noblesse féodale, revenu versé par les vassaux, influence débouchée. Mais moi, l'autocratie, c'est fun. Ok. Bien. Merci, Mormagor, c'est bien vu. Un conseiller démissionne. Les rats quittent le navire. Bon, pour le moment, on n'a pas l'argent de les payer, donc c'est pas forcément un mal. Hein. Faut vraiment qu'on récupère ces provinces, ce qui sera relativement intéressant. Ok, maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus que de raison, c'est Sulu. Qui je peux pas envoyer de diplomate pour une raison générale. Voilà, bon. Ok, c'est bien, c'est super. Donc, quand on aura notre trêve finie avec cela, c'est le scénario parfait, quoi. C'est juste, ça fait venir tout le monde, quoi. Super, très bien, très 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 bien. Et ces fameux 100% de... Oh mon dieu, que c'est long. Alors, ce qui serait plus malin... je sais pas si on peut, c'est ça le problème. Non, on peut pas. Il faudrait virer les heavy de ça. Ce serait quand même bien de pouvoir aller prendre ça avant qu'ils aillent vers nous. Ou alors qu'ils viennent nous défoncer ici. Ce serait pas mal aussi. bon. On va pas prendre... on va essayer peut-être de leur faire prendre ça si on le peut, ça risque d'être compliqué. On pourrait quand même augmenter, du coup, aller chercher ce 20% serait intéressant. Vas-y, franchement, vas-y, puis vas-y aussi ici quand on le pourra. Ici, ça va, ça vient. Eh ben oui, 10% d'autonomie, on prend l'autonomie partout, c'est horrible. 50 points de puissance admin, 10 de prestige. Allez, 10 de prestige. Allez, c'est pas long, c'est pas long. C'est long. Si, si, c'est long. Bon, on a au moins baissé l'inflation, hein, ça va vraiment faire du bien. Ok. 21 000 troupes. Ça sert à rien de s'énerver. Ici, de toute façon, ils reprennent les provinces qu'ils avaient déjà prises. Allez. Ok. Ils seront combien, cela dit? 13 000. Ok. Tu vas où, toi? Mikawa. Intéressant. Dans un an, plus d'un an. Ok. Très bien, mec, c'est bien. Je sais pas pourquoi tu fais ça, hein. T'aurais pu te bouger tout simplement, mais on accepte volontiers. Ok. Alors.
direct de ce côté-là. Ok. What? C'est quoi ce délire? Genre on pop alors qu'on n'était pas censé pop? On est à... On commence à 20%. Ok. Ça va être compliqué cette histoire. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, hein. Je vais pas faire autre chose que ça. Ok, on peut faire des généraux jusqu'à ce qu'on en ait un bon, on a les points militaires disponibles. Par exemple, toi tu sers à rien. Go. Ouais, le problème c'est qu'on est passé au-dessus de 100% de surexpansion, donc le jeu est passé du mode ah ouais, attention, il y a des rebelles de temps en temps, il y a que des rebelles partout. Parce que j'ai vraiment pas fait attention à ça. C'est une, bon, c'est une erreur, oui et non, de toute façon je pense qu'on l'aurait fait. Ok, les vassaux, vous pouvez vous en sortir? Non, hein, je pense pas, malheureusement. Ok, on va laisser ça, on va laisser 3 gaillards pour pouvoir prendre Echu. Vous allez passer par ici, toi tu vas t'enlever ça, tac, tu vas aller ici, toi tu vas prendre rien pour le moment. En fait on n'a pas besoin. C'est une bêtise franchement. Comme ça plutôt. Toi tu nous mets lui et tu permets aux gens de venir sur toi. Voilà, ça devrait suffire. Ok, oui, du séparatisme, j'en doute pas une seconde, du séparatisme, bien sûr. Ok, vous, vous faites ça, et l'idée, c'est d'aller là. Et... Oui. Ok, il n'y a pas tellement de soucis, hein, les rebelles sont pas assez nombreux. Ça, ça va être très embêtant, par contre. Ouais, non, ça, ça va être un peu... Ah, aïe, aïe, aïe. Ok, ok, alors, on recommence. Vous allez ici. Merci. Ouais, 25 de prestige. Aïe, 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 vite. Vite, 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 vite. Ils sont 24 000 en plus. Aïe, 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 bon. Ok, du coup, vous, vous allez ici. Non. Non, on peut passer. Ah, wait, 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 wait. Pourquoi on peut passer, du coup? C'est une bêtise. C'est toute l'île qui est noire de rebelles. Je suis parti 2 minutes, quoi. C'est d'une bêtise, mais vraiment, c'est d'une bêtise. Terrible. Personne qui est haut dans l'indépendance. Ça, on prend. Voilà, ça c'est bien. Les réserves nationales qui augmentent de 20%, c'est toujours bon à prendre. Ok, Cassius Belli perdu. D'accord, très bien. Bon. Pour le moment, ça, on s'en moque. On va venir là. On va déjà aller s'occuper des gars, honnêtement. Je sais qu'il faut refaire tout le tour. Enfin, il faut pas refaire tout le tour. Ici, c'est le premier qu'on peut aller chercher, je pense. Ok, merci, t'es plus Black Flag. J'ai pas bien compris ce que c'était que ce Black Flag, mais tu ne l'es plus. Très bien. Ok, tu vas venir là? Oui, merci. Parfait. Parce qu'à part ça, je pense pas qu'il y ait des rebelles ailleurs. Non, hein. D'accord. Ça joue. Ok. Ça va nous défoncer, hein, de ce côté-là. C'est clair. En plus, on se fait démonter, quoi. C'est terrible. On a perdu 9000 troupes. Ah, ça tombe bien, parce qu'on en avait trop. Ouais, bah voilà, super. Bonsoir Jypes, bienvenue sur le live.
Ok, très bien, c'est intéressant. Pour le moment, on va prendre les défenses. Hein. Ok. Ok, on prend tout ça, tranquillou. Peut-être intéressant de faire quelques mercenaires, peut-être. Pas sur une situation financière qui est extrêmement bonne, mais cela dit, on a quand même, a priori, on vient de prendre une doctrine qui fait que ceux-ci sont moins chers, donc ça pourrait quand même être intéressant. Bon, on verra. Pour le moment, on va aller déjà récupérer les terres ici. On n'a pas trop de problèmes, a priori, en termes de... d'indépendance. Ah, ça joue. Ah, on est à 99%. Pourquoi? Pourquoi on est passé à 99%? Il me semblait pas qu'on avait légitimé, hein, mais bon. Ok, si tu veux. Impôt supplémentaire. Oh, yes, please. Gagner 7000 sur les réserves militaires. Quand tu veux, mec. Mais particulièrement maintenant. Quand tu veux, mais particulièrement maintenant. Et toi, t'es qui? T'es des séparatistes de... Manille. Pourquoi pas, hein, si vous voulez, honnêtement, moi ça me pose pas de problème. Manille, j'aurais une trêve, j'aurais pas de trêve avec, ça me convient parfaitement. Hein. On a une revendication sur ça? Ouais, carrément. Là-dessus? Ouais, aussi. Très bien. Si Cebu s'effondre, ça me va. C'est moi où on a affronté deux fois des indigènes avec deux troupes différentes sur la même province. Ok. Ça, cet événement hein, qui nous a donné 7000 troupes, c'était complètement ce qu'il nous fallait. Truc de ouf. Ok, les trêves. Alors, trêve avec Sulu dans quelques mois, parfait. Voilà, on aura stabilisé toute la région. Les prochains, c'est à Brunei à Palawan. Ok, alors là, par contre, t'es gentil. Tu t'en vas. Ensuite, des Brutanes à Boutoua. Bon, ça, jusque-là, c'est pas tellement un souci. Ok, ok, ok. Parfait. Ok, c'est super. C'est super. Du coup, les rebelles n'ont rien fait. Ils ont des pop. What the f... Bizarre, rien, des fois, hein. Des fois, il nous fait des trucs chelous. Hein. Il y a Mani qui a popé. Non, que dalle. Justement pas. C'est de nouveau Cebu et Tondo. C'est, à mon avis, un peu... c'est un peu chelou, quoi. À mon avis très professionnel et scientifique, c'est un peu chelou. Ok, bon. Financièrement, du coup, ça va. Sans plus. D'un point de vue des réserves militaires, ça va pas trop, mais c'est pas le drame non plus. Ce qui serait intéressant de faire pour nous, ce serait de commencer à faire des réseaux d'espions un peu à gauche à droite dans les ennemis qu'on va aller chercher. Alors, ils se sont réalliés à Kutaï. Bon. Relou, pas grave. Il nous faudra surtout, nous, nous occuper de... je dirais... Ça, on peut pas passer, on est d'accord. Bon, en fait, ce qu'on peut faire simplement, c'est comme ça. Bon, on va faire ça, puis après, on va les diviser certainement en deux pour pas qu'ils prennent trop d'attrition. Et les nouvelles provinces sont légitimes. Super, cool. Là aussi, financièrement, ça va mieux aller. On peut commencer à convertir des trucs. Ça coûte un peu cher, c'est un peu embêtant. On va éviter. Ok. Voilà. Très bien. Non, c'est pas le moment d'attaquer les Ainu. On a notre trêve contre Sulu qui finit maintenant. Et non, après... oui, oui, Tondo est tributaire de Ming, mais on s'en tape parce qu'on va, les attaquer par alliance. Comme tout le monde, en fait, du coup. Qu'est-ce que tu as, un réseau d'espions? Ok, donc la trêve... Normalement, la trêve est finie hein, contre Sulu. J'ai pas vu.
Et du coup, on peut attaquer en faisant venir Kutai, Tondo, et c'est bon. Pas de casus belli. Certes. C'est pas très malin. Surtout que j'avais des diplomates qui en foutaient pas une depuis des plombes. C'est vraiment pas malin. C'est pas grave. Du coup, non. Prends un gars qui a du siège. Prends lui. Entraîne-toi. Entraîne-toi. Voilà, faites ça. Pourquoi pas. Zef. On a de nouveau... Je pense que notre supériorité navale ne fera pas de doute, comme elle n'a pas fait de doute la dernière fois. Du coup, ce sera intéressant. Croissance coloniale générale peut être intéressant. Gardez quand même quelques points, parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que ça augmente chaque fois que je regarde tout ça. Mais bon, il y a un moment où il faudra quand même prendre des techs. Pour le moment, pressons un peu le pas sur ces histoires de colonisation. Ok. 1573, ça devrait jouer. On aurait du coup pu attaquer les Ainu. Cela dit, c'est pas, c'est loin d'être une obligation hein, d'attaquer les Ainu. Zef un peu. On n'a pas de revendication sur ces gens. C'est étonnant. C'est marrant dans l'idée. Il y a le Japon, puis il y a deux petits machins qui sont juste des tributaires. La Corée est toujours notre tributaire. Les Ainu pourraient même devenir notre tributaire, à part ça. Plutôt que de les attaquer pour rien. Peut-être plus intéressant d'en faire des tributaires tout court. Le triomphe des clairs. Ok. Et du coup, j'imagine que désastre. Yep. Ok, alors, ça monte à combien? Ça monte à... 5 chaque mois. Ok. Donc c'est 20 mois. C'est moins de 2 ans. On est en 74. 21 juin 74. 10% pour école pour les pauvres. Bon, ça va partir tout seul. On peut, cela dit, par principe, parce que c'est juste, c'est pas grand chose, on peut leur enlever un truc. What? Ils ont rien? Ah bon? Ils ont absolument rien. Et ils ont 100%. Ok, bon bah c'est pas grave, hein, ça va partir tout seul, faut pas se faire de soucis. Ok. Bon, allez, vas-y, avance. Avance, Franck. C'est moi ou j'ai moins de troupes qu'avant? Non, je pense que c'est pas le cas. Je pourrais en faire plus, je pense que c'est pas nécessaire. Financièrement, on est enfin... Oh, on est même bien, financièrement. Recherchons des gars. Ouais, tu peux aller chercher amélioration des relations, ça peut être intéressant pour baisser un peu l'expansion agressive. Et modification du coup de la stab, ce qui aurait été intéressant de le prendre avant que je modifie la stab. Et on a vraiment plein de points militaires, il pourrait être intéressant de commencer à accumuler un petit peu les techs militaires, ce serait pas mal. On pourrait presque prendre des emprunts pour aller chercher cette histoire quand même. Où sont nos provinces qui sont le plus développées? Là. Celle-là, mais elle l'a déjà. Donc c'est vraiment, je dirais, ces deux-là qui peuvent être intéressantes. Malheureusement, ça monte pas. Et là non plus. Ok. Ici. Et c'est lent. Hein. Bon, mais disons que on l'a commencé. Au bout d'un moment, il y arrivera, quoi. Colonie autosuffisante. Cool. Du coup, on peut continuer. Est-ce qu'on continue dans cette direction, direction Philippines? Ou est-ce qu'on va plutôt, j'en sais rien, moi, du côté de l'Australie, ou là, quoi, il y a des trucs intéressants, là, hein, des jolies provinces. Pourquoi pas? Après, je me dis qu'ici, typiquement, ça fait le lien entre ces deux-là, ça peut être pas mal, quand on aura, je pars du principe qu'on a déjà celle-là. Continuer les Philippines, ça reste notre objectif, c'est vrai que c'est assez sympa. Allez, fais-moi celle-là, là.
Très bien. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il faut que j'y aille parce qu'on aura des gars qui vont s'occuper de ça. Donc, est-ce qu'avec une seule troupe, ça suffit? Une époque prospère. Wally. Oh, Wallides. Oh, Wally, c'est fini. Alors, puissance admin, puissance diplo, puissance militaire. Bon, les trois sont intéressants dans leur propre style. Comme ça, les teintures, c'est cool, hein, par ça. Ça appartient à aucun ordre. Mais on reçoit quand même pas mal d'impôts. On va quand même mettre bonus de revenu fiscal. Tell you what, no? Tu me fatigues là, le Japon. Tu me fatigues. Ok. Prends-moi du prestige. Ouais, les seuls liens, normalement, l'or du Japon, l'or peut venir au Japon, mais ça vient du Mexique. L'Australie, effectivement, ça ne marche pas, puisque l'Australie va aux Moluques qui vont à Malacca. Ou alors, ça fonctionnerait si on lui mettait sa capitale ici, par exemple. Alors, ah. On va essayer avec une troupe, voir ce que ça donne. Je sais pas si on est suffisamment fort. Ah ouais, on est suffisamment fort, parfait. Je veux pas qu'il repop maintenant avec le même nom, disons. Ouh, God. Non, on va perdre 40 du cas, hein, pour le coup. Je suis en train de me demander s'il y a déjà eu une nouvelle, un message comme ça sur Europa Universalis 4 qui m'a autant laissé, où je me suis à ce point dit c'est inutile en fait de savoir ça. Je suis pas convaincu. Je pense que c'est peut-être une sorte de sommet atteint là. Je sais même pas qui t'es quoi. Je sais même pas où t'es. Wait, what? Ton Ainu, t'es dans une ligue? Mais non, y a rien, genre rien quoi. Ouais, c'est chelou. Oui, c'est vrai qu'on peut déjà ne serait-ce que faire ça, selon le contexte, qui peut être intéressant. Mais à voir, c'était lié aux Ainu. Ouais. Je me demande si c'est... Ah, peut-être... Parce qu'on voit une partie ici, peut-être? Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on a reçu ce message. Peut-être lié au fait qu'on ait enlevé la TI de temps en temps, c'est possible. Ça, je voulais regarder, c'est un peu coûteux. Je trouve sincèrement, on se l'a dit, on n'a pas beaucoup d'unités religieuses, donc ça serait pas mal de nous y mettre un petit peu. Mais là où ça devient vraiment important, c'est quand même un peu coûteux pour moi. Bon, vous me direz, on a cet argent, donc autant l'utiliser relativement à peu près efficacement, j'ai envie de dire. Cagayan. Cagayan, a priori, c'est dans les Philippines.
Ah, c'est ça. C'est pas un état. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais on peut peut-être faire des états intéressants. Genre, Visayas, c'est pas mal. Vas-y, fais-moi un état de Visayas. Légitime-moi toutes ces histoires. C'est bien. Puis là, il y a peut-être moyen, du coup, de faire des trucs intéressants avec ça. Pas vraiment, malheureusement. Ça reste hyper cher. Genre, si je veux convertir Panay, par exemple. Ça va encore. Pourquoi pas. Visayas, tu mets un encouragement là, ça. Je lequel des missionnaires. Ce sera pas moins cher, mais ce sera moins long. Et du coup, on va payer 4 pendant 23 mois. Mais c'est pour une bonne cause. Rendre à Inu tributaire. Let's go. Et ils sont. Non, mais je te déteste tellement. Bon, vous me direz, viendre. Il a récupéré le truc. Il a récupéré le truc. Théoriquement, il va revenir sur Mutsu. Donc, si on l'attend à Mutsu, il va pas trop nous gonfler. Toujours pas, sans faire de revendications chez l'autre. Bon, finis-moi ça, hein, qu'on parte de ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est très bien. Bon, bah toi, tu vas tout de suite, du coup, repartir avec eux. Les 11K suffiront amplement. Et toi, tu vas venir ici déjà. Voilà, on revient. Oh, il va pouvoir passer à cause des bateaux. Oh, mais c'est pas vrai! Stop être bête! Le jeu, tu me gonfles, c'est terrible! Bon, c'est un tributaire, il devrait me laisser passer. Ok, c'est bon, il est passé. Au pire des cas, je serai allé les chercher chez lui. C'est vrai, c'est que c'est mon tributaire, donc je peux y aller sans problème. Bref. Bref, 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 bref. Bref, bref. Plein de points militaires, toujours pas de quoi prendre une tech. Beaucoup trop de retard. Pas de quoi acheter ça non plus. On pourrait prendre des emprunts, il faudrait en prendre 4. Ce serait faisable. Mais on s'en fout des Oirats, sérieusement. Qu'est-ce que tu... Kutaï est plus fun, honnêtement, hein, pour le coup, pour eux. Hein. Kutaï est nettement plus fun comme rival que les Oirat. D'accord, c'est bien les Oirat qui nous ont... Bon, Kutaï aussi, en fait. Mais les Oirat, ça me dépasse. Ça me dépasse que les Oirat puissent nous rivaliser. Bon, toi, tu peux arrêter. Sulu, t'es gentil, mais tu nous appartiens. On attend juste d'avoir nos troupes ici. Notre flotte aussi. Et on sera Gaulle. On est en 75, hein, donc il faut y aller quand même. Hein. Il nous reste que 5 ans pour faire cette guerre. Et il y a des rebelles, des séparatistes. Bon, c'est dans la région. Boutois. Boutois, Boutois, Boutois. Tu es là. Tiens. Mange. Mange, mon autonomie. Mange. Voilà, ici, ok. Hop. On veut pouvoir... C'est pas hyper clair. Aller sur cette île-là. Peut-on? C'est une bonne question. Ce qu'on veut pas, c'est que tu puisses aller là. Que tu ailles là, ça me pose éventuellement pas de problème au pire. Ok, du coup, non. Déclarer la guerre à Sulu. Super, tout le monde vient. Let's go. Alors, ici et là. Ouais, c'est bien ça, on peut pas en fait. D'accord, autant pour moi alors. Ben oui, comme ça, enfin, vas-y gentiment. Bon, on peut même les laisser à la maison, hein, j'ai envie de dire, a priori. Voilà, tu restes à la maison bien gentiment. Et avec toi, on va de ce côté-là. Et toi, tu fais ça, c'est juste, très bien. Shimazu, ok, super.
recule. Si. Ok. Circule aussi. Parfait. Vous, vous ne servez plus à rien. Allez de ce côté. Ok. Ça sert à rien de prendre l'attrition, by the way. Donc, on va faire ça comme ça. Et ici, on va faire ça la même chose. Ça aussi, oui, ça aussi. Ok, parfait. Let's go. Ok, alors... ouais, je comprends Ribob. Ce qui est vraiment frustrant, c'est quand ça arrive, quand on a une partie justement un peu avancée déjà et tout, puis qu'on se dit que ça va le faire. Ah, défaite, c'est moche. Ouais, on peut perdre 25 points de mine, et puis du coup, ben vous, vous allez vite faire passer par là. Voilà, tu vas, je sais pas où tu veux aller, mais tu y vas. Parfait. Et du coup, tu me laisses plus, laisse-moi deux troupes, ça devrait suffire amplement. Et on va se mettre là avec garçon ici. Très bien. Les bateaux. Vous faites ça. Ici, ici, on prend ces deux trucs tranquille. On a malheureusement Koutaï dans cette histoire. Ça, ça pourrait être embêtant. Hein. Non, ils sont bien hostiles, hein. Ils sont pas très forts, mais ils sont très, très... Révolte. Révolte, on en a gros. Ouais, vous pouvez prendre l'autonomie, honnêtement, on va pas s'embêter avec ça, hein, vous êtes gentils.